Est-ce qu'il va ramasser ou pas? Oh. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous, monsieur! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous, Vous bougez monsieur! pas, sortez du Arrêtez-vous! véhicule, les mains en l'air! Monsieur! Vous Monsieur, bougez pas! arrêtez-vous! Ensemble. Ça se voit, ça se voit, ils sont pas ensemble. Elle, elle a un bonnet, lui il a pas de cheveux. C'est pas possible. C'est une équation Messieurs, inexacte. Bonsoir. C'est pas bon, c'est pas normal. Mégane. Bonsoir. Ça fout quoi là? Dis-moi. Bon, on se capte. On discute là. Tranquille, plus tard détendu. Bon, on se capte. On va boire un verre. Ah là, je vous entends. T'es en train de me demander si genre t'as envie qu'on prenne un verre ensemble alors qu'avec Riley t'as un rendez-vous. Je sais pas si c'est vraiment italien, je dirais peut-être portugais du côté de mon père. Je sais pas trop quoi. Ben oui, Portugal, tout ça. C'est quoi votre nom? Lazare Moreno. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Et vous, le vôtre, vous c'est au hasard? Lazare. Vous appelez au hasard? Lazare, pas au Lazare. Hasard. Ah, Lazare, ok, Lazare. Lazare. Ah, très bien. Mais moi, c'est Dick. C'est DiCaprio, moi. Mais Dick, ça veut dire pénis en français? Ouais, non, ça veut dire bite. Bah, c'est exactement ce que je viens de dire. Ah! Ah bah peut-être alors, bah je sais pas, bah moi je connais le mot bite après pénis, c'est trop scientifique pour moi ça. Mais vous faites quoi en ville? Je viens d'arriver, j'aimerais bien ouvrir mon entreprise, en attendant je me balade, je regarde un petit peu ce qui se passe, je cherche à faire des rencontres. Ah, des rencontres Wesh. Ça va quoi? Wesh mon pote, ça va ou quoi? Tranquille. Voyons. Mets-la moi. Wow. Il est heureux. Ah, il est content de nous voir. Ah, c'est comme ça qu'il est content. C'est bon, okay. Combo gosse. Ça va toi? La forme? C'est comme ça que ouais, vous ça va. Bonjour. Non, mais tranquille, voilà. Eh, ça y est, stop. Ah, ouais, c'est comme toi. Ouais, Lazar, c'est quoi le programme ce soir là? Pas de programme particulier, vous avez un programme? Ah, ouais. Ah, tous les soirs, il y a un programme. Un gros programme. Un gros programme. C'est-à-dire? Moi, je suis avec Anastasia au calme, on va aller boire un verre au calme. Ah, vous êtes ensemble, toutes mes félicitations, c'est vrai qu'elle est mignonne. Ferme ta gueule, Karim! Ou alors, mais c'est la nana qui. On va aller boire un verre ensemble. C'est ma meuf. C'est ma moi. À moi. Ouais, bah en tout cas, c'est pas la mienne. Elle est lesbienne, wesh. Ah, madame la jette. Très bien. On va aller boire un verre con alors. Anastasia là. Anastasia. Yes. Mais y a pas. Tant que tu n'auras pas de vagin, tu m'intéresses pas, Karim. Anastasia, pour toi, je suis prêt à me couper la teub. T'inquiète même pas. Non, parce que je vais me couper la teub. C'est moi qui vais l'avoir. Bah écoute, viens, pour le moment, on va voir ce qu'il fait Karim là. Vas-y. Bon, c'est bon, on est avec le crew là, c'est mort. Karim. Là. Il est où Roméo? Il est là, c'est lui là. Ouais, t'as changé frère de coiffure, beau gosse. Non, ouais. C'est la capuche. Okay, mais c'est qui le mec avec la moto là? Justement, faut faire hyper Roméo. Gaffe. Si on voit des personnes en moto, en casque, ce que tu veux. Non, mais je vais lui au moins. Je vais monter en l'air. Vous partez. Tu peux pas monter en l'air, ils sont surarmés, les gars. C'est des calages qu'ils ont. C'est tout, quoi. Pourquoi tu sais vous... bien que moi j'ai plus ma calage, on me l'a enlevé. Vous avez eu des petits soucis? Oh, je crois qu'il veut ouais, pas j'ai eu des soucis personnels hier soir et ça m'a valu 2 points en moins sur mon visa. Là, je suis proche d'être radié de la ville. Donc, Ah! Effectivement, il va falloir commencer à faire attention. Exactement. Ne vous inquiétez pas, c'est pas moi qui vous causerai du tort. C'est pas de vous que je me préoccupe le plus. Hein. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi les. Attends, Nicolas, je sais pas si tu connais Lazare. Bah oui, on s'est croisés hier. Ok. Hier. C'est un gars sûr. Écoute. Vous toi, êtes devenu Dick, roux entre temps. T'as des bonbons sur toi. T'as dit ouais, que t'as des bonbons sur toi. Et, ouais, et bonbons, 50 ouais. Cent, il a des bonbons aussi sur lui. Ouais, donc, il m'a dit, comment ouais. On fait là? Comment on fait là? Bah, moi, attends, tu sais quoi? Moi, Roméo et Lazare, on va bouger, on va vendre, ok? Comme ça, je montrerai en même temps le point de vente à Lazare. Et toi, de ton côté, tu fais tes bails avec Nicolai. Ou bien vous nous attendez, voilà. Comme vous voulez. Vas-y. Non. Ok? C'est mieux, Nicolai, comme ça. C'est mieux, Nicolai. Puis comme c'est ça. Pareil, hein. Si vous avez besoin de poches, j'en ai plein dans mon costume. Nicolai! C'est mieux comme ça. Attends, laisse-moi réfléchir. A few moments later. Mais tu vois, s'il y a une voiture de flic ici, ça veut dire que le point est là. Je te parie, okay. Ce que tu veux que le point est là.
Et putain, le pont est pas là. Allez. Ah ouais. Dommage. Bah, je comprends pourquoi ils t'ont viré des flics. Enfin, pourquoi ils t'ont viré des flics. Non, il a pas été pas viré. Pour 20h. Putain, c'est vrai, ouais. Ah ouais, c'est ce qu'on dit, donc il était pas remercié. Il est 8h. Oh putain, il est à la plage. Fuck. Fuck my life. C'est très loin. Ah non, mais en fait, il fait crise. Ce point-là, c'est de la petite marde, ok. Ah, attends, on comprend pas trop le québécois, Nicolas. C'est de la merde. De la marde. C'est de la marde. C'est pire que de la knife, de la sludge. Ça veut dire. Karim, ça veut dire tu vas vite partir. Je vais te déposer, tu vas vite partir. Parce que s'il nous fouille, t'es dans la merde. Donc alors attends, okay, je connais un endroit. Va. Je vais te déposer dans un immeuble. Mais le point de vente il est bien là-bas alors. Bah je pense. Ouais, et ils arrêtent pas de faire des rondes, c'est un truc de ouf. Ouais, et surtout qu'ils vont s'arrêter. Donc tu vas aller dans l'immeuble là. Tu vas rentrer dans l'immeuble là. Parce qu'il y a une porte d'ouvert, il y a un appartement d'ouvert. Allo? Eh hey, Lazare? Ouais, tu m'entends? Je suis posté dans l'un des appartements de l'immeuble là, j'ai une vue sur la plage là. Yes. Pour l'instant, je vois pas les flics. On a vu le capitaine juste devant la jetée. Ah merde. Ok. Et vous êtes où là? On est sur une place de parking juste derrière la plage. Ok. Je vais descendre au niveau de la plage, je vais faire comme si je vais acheter des masques. Et puis je vais voir s'il y a des flics, je vais à pied. Après si je me fais contrôler, bah tant pis, tu vois. Mais j'ai pas de véhicule, tu vois, donc c'est un peu relou. On est juste à côté. Sinon, je récupère un véhicule. Je t'attends à gauche de la plage quand tu regardes en direction de l'eau. Et on se pète. Ça marche, ok, vas-y, on fait ça. Faites d'autres affaires, baladez-vous, je sais pas. Pendant que je vends, les flics arrivent. Moi j'ai rien sur moi, j'ai pas de casier, au pire je récupère une voiture, il y a une voiture de sport qui traîne à côté, je sais crocheter les serrures. Je me mets à côté avec une bagnole et je tente la fuite. Vas-y. Ouais. On fera ça, je vais aller avec Lazare. Ça tu vois, c'est Karim ça. Je vais chercher une voiture, vraiment. J'arrive. Mais qui est-ce qui fait venir en pas dans la ruelle? Ouais, vas-y. Attends, j'avais vu des voitures. Y'a une belle bagnole là ou pas? Ouais, y'a une voiture là. Allez, c'est parti. Ça, c'est RP, mon pote. Bonsoir. Ouais, pourquoi t'as pris une voiture comme ça, frère? Bah. Bien que je le véhicule, non? Mais... Ah, beau gosse. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? C'est un prank, frère, c'est un prank. Attends, bouge pas. J'ai juste un truc à te montrer. C'est un secret. On va chercher une autre. Ouais, bah oui. Une, là, viens. Putain, mais. Connard. Ah, un beau bébé. Je t'ai fait ça, wesh. Regarde pas, c'est pas bien. Il me reste 22 têtes de weed. Ok, il me reste 22, tu vois. J'étais à 70 tout à l'heure. Tranquille. Faut compter encore 3-4 minutes, je pense. Aucun problème. Là, je suis déjà à 5 000 $ d'argent sale, là. Putain, excellent. Ça paye bien d'être un ripou. C'est ouf. Est-ce qu'il y a vraiment de l'argent sale? Ah oui, après l'argent sale. Moi je pense qu'il y a juste de l'argent. Bah bien sûr, on va le blanchir. Mais tu vas mettre dans le coma. Monsieur, arrêtez-vous. Karim. Arrêtez-vous, monsieur. Wesh, mais t'es pas caf, toi. Bah non, mais c'est pour le style. Il est en train de faire. je crois qu'il fait un AVC. 6360 nice. Y'a moyen que tu mettes une marque sur le GPS de la voiture ou pas? Ouais, vas-y, attends, pour l'instant, continue. On roule, on se casse ici, on va plus loin. Et après, je vais appeler Roméo. Il va me dire exactement où est le blanchisseur. Alors, Roméo. Va à gauche, ouais. Vas-y, garde-toi ici. J'attends Roméo. Je l'envoie à notre position. Alright. Bah voilà, on est tous là.
Ouais, ouais. Roméo, du coup, il t'envoie un message, le blanchisseur? Ouais, t'es caf, tu pourrais faire un double jeu. Ouais, j'avoue, j'avoue. Eh, moto, 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 moto de police. Vas-y, monte, monte, monte. Vas-y, très haut, très haut, très haut, très haut. Vas-y, bouge pas. C'est tendu, hein. Putain. Ils sont en train de courser Karim, je pense. Karim et Nicolai. Oh, ouais, je pense qu'on va bouger d'ici 2 minutes, un truc comme ça. Mais ils sont... en fait, on est bête d'avoir bougé parce qu'on a rien à te reprocher, tu vois. Ouais, de ouf. Quoi? T'es sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Mais t'es un malade, toi. Attends, attends, tu veux combien de te charger ou pas? Ok, vas-y, rempole la position, vas-y, vas-y, t'es un malade, vas-y, Lazare. Oui, excuse-moi, j'ai eu une petite absence. Ah, tranquille, Karim, il a tiré sur les keufs, c'est un niqué. Non. C'est un niqué, et là, il est caché sur le toit d'un immeuble. Il vient me chercher, mais t'es un malade. Wouah. Non, non, moi, je vais aller blanchir mon argent, je pourrais me faire attraper, wesh, il est fou, lui. Où il est? Je sais pas, il m'a pas encore envoyé sa position. Faudrait, au pire, faudrait qu'il me l'envoie. Moi, j'ai rien du tout et je pourrais peut-être le récupérer. T'as son numéro? T'as son numéro? Non, il me l'a pas donné. Sérieux? T'as pas le numéro de Karim? Non, non, pas encore. Merde. Ah ouais, vous auriez dû changer vos numéros. Bah pour l'instant, il m'a pas donné sa position. Au pire, go blanchir l'argent. Puis moi, il est 21h. Ah ouais, attends, attends. T'emmène chez Lamar. Let's go. Faut que je retire les sous d'abord. Juste à droite, il me semble. Elle dure longtemps la formation ou pas? Non, non, c'est vite fait, c'est vite fait. Ok. Formation express. Tu payes, c'est bon. Ok. Comme ça, je pourrais continuer à vous accompagner, c'est cool. Comme ça, après, vois, on va aller faire la deux. Des gangs, tu vois. Pas trop rigoler avec eux. Ils sont tous armés. Ah, ils ont pas l'air commodes. Surtout pas les bousculer, sinon on est un peu dans le caca. Hein. Ça dégaine facile ici. Hein. Ah, ok, ok. Bon, je suis. Tout va bien. Ok, vas-y, très bien. Ouais, c'est la marque du mec à droite là. Eh, parle-lui gentiment. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est possible de vous parler deux minutes? Un petit truc. What's up, bro? What's up, bro? Ok. Très coopératif. C'est bon? Très très coopératif. Ouais, t'as vu, hein, faut juste parler gentiment et puis c'est bon. J'ai le point GPS exact pour les blanchisseurs. Ok, ok. C'est bon, j'ai tout. Ouais, non, si, ils sont tranquilles, hein, faut juste pas leur marcher sur les pieds, quoi. Vous grattez régulièrement des numéros? Ah, bah on a pas le choix, hein. Faut toujours rester informé. Vous avez. Donc, filles, garçons, tout ça vous dérange pas de. Tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. Vous avez vraiment faim, messieurs. Bah c'est pas qu'on a faim, mais justement on a peur d'avoir faim, tu vois. Donc on mange tout. D'accord, ok. Ouais, on graille tout. Attends, Nicolas il m'appelle. Et Nicolas, vous, il m'appelle. Vous avez quand même des grosses boules? Bien sûr. Ça c'est de naissance. C'est comme toi, t'as une tache de naissance. Ouais, Nicolas, des boules de naissance. Nicolas. Là on est en point de récolte hier, là où on se fait braquer. C'est pour Lazare. Enfin nous aussi du coup on va ramasser, tu vois. Mais je suis pas sûr qui est. Je crois pas qu'il y en ait, non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Voilà, c'est pas là. Non, Romain, il a quitté la ville. Ouais. Eh, ça va, ça se met bien, tu manges quoi là? Ah ouais, bah Psartek, vous avez ça au Québec? Ah ouais, un militaire qui mange des pâtes, voilà, c'est du jamais vu. Alors. Ah, vas-y, on fait ça comme y en ça. Y'en a là. Y'en a. Ok, ça marche. Bah on n'a pas commencé, on cherche toujours les points là. Là on est sur les
Karim, va s'il te plaît, vite fait. En fait, on est en train de... C'est là. C'est là, grand. Bah oui, mais là, c'était... C'est pas ça, Lazare ? Si, c'est ça. C'est là. Ça. Je récolte la bœuf au calme. Avec le boule en arrière. Ah, oh, y'a de la place dans mon gang, mais bien sûr, y'a de la place pour tous les subscribers. Beau déhanché, n'est-ce pas? Et toi, tu ramasses pas? Hein? Tu ramasses pas? Moi j'ai trop peur. Trop peur de... Pourquoi ça me balance? Attends, les deux ils sont en train de se péter. Jamais faire de l'illégal sans masque. D'accord. Ils sont en train de guetter, coup. Faut que je regarde dans mon inventaire, du coup. Mange de cannabis, j'en ai 26. Attends, je vais aller dans la voiture. Stop, arrête de récolter. Putain, je peux plus bouger, qu'est-ce qui se passe? T'as fini? Non, j'ai pas fini, mais j'ai pas de masque ni rien. Je continue de récolter au calme. Ouais, vas-y, t'inquiète. Au pire, tu changeras de coupe après. Je vais me faire péter. Il fait des... Prince, il est chelou de ouf. Mais je suis pas censé le savoir, moi je suis censé savoir juste qu'il guette. Et il a pas son téléphone dans la main ni rien là. Qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce qu'il fout? On en est où là? 44 de cannabis. Ok. Il mange devant sa webcam au calme. Je sais que les deux se sont déjà balancés entre eux. J'avoue, j'ai un peu peur. Sachant que mon casier est vierge et que je pourrais faire... Ah. Ok, ouais. Mission complete. Non, t'inquiète. T'es où? Ah, lourd. C'est bon, Lazare, il a terminé de ramasser. Il balance les blazes au calme. Vas-y, ça marche tout de suite. Est-ce qu'il va ramasser ou pas?
Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, monsieur. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, monsieur. Vous bougez pas, sortez du véhicule. Les mains en l'air. Monsieur. Vous bougez monsieur, pas. Ah bah enfin. Enfin. Il est où? Hawk, il est où? Mettez-vous par terre, par terre. Il est où, monsieur Hawk? Je vous entends pas, monsieur. Tout le monde par terre. Je vais prendre votre carte d'identité dans votre poche. Allez-y. Il est où? Dans la poche arrière? Hawk, il est où? Il est dans la poche de votre veston. Je peux vous le donner. Est-ce que c'est dans votre veston ou dans votre poche de pantalon? Dans la poche de pantalon. D'accord. Ah, je serai dans une carte d'identité. Portefeuille, carte d'identité, montrez. Venez avec moi, monsieur, s'il vous plaît. Je vous suis. Vous mettez à l'arrière du véhicule. Un peu plus. Voilà la pharmacie. Entrez à l'arrière droit du véhicule. Monsieur, par contre, rangez votre téléphone, s'il vous plaît. Je vous ai saisi tout moyen de communication. Attends, deux minutes, d'Artagnan. Non, vous êtes actuellement okay. Me tenez. Non, mais on n'a pas le temps, okay. Là. Montez à l'arrière, s'il vous plaît. Comment ça, t'as pas le temps? À l'arrière. À l'arrière, monsieur, à l'arrière. Oh, tu peux pas monter avec toi dans la moto? C'est bon, une place. Bref, tu vas juste aller au commissariat, mais vu que t'avais rien, tu vas rien avoir, t'inquiète pas. Bah oui, c'est normal. Ça va? Bon. Oh non, pas. Ça va pas là. Je crois que j'ai fait une bêtise.